Bonjour, nous sommes samedi 14, c'était vendredi 13 hier, et de retour, mais avec un mal de dents carabiné, très mal. J'ai une molaire qui me fait mal, les racines doivent être dévitalisées, et pour ça il faut que j'aille voir un spécialiste. Enfin, je suis allé voir le dentiste hier. Oh là là là, rage de dents, c'est pas marrant, j'ai pas dormi cette nuit, donc je suis pas très très frais. Bah nous revoilà, en tous les cas. Oh, j'ai décidé, j'étais pas bien, mais j'ai décidé de sortir. Je me suis dit, faut t'obliger à sortir et refaire une vidéo, reprendre le fil, malgré les déceptions pour certains, les contrariétés, les désaccords. Et oui, c'est normal d'être en désaccord. Mais il y a des choses, on peut avoir des désaccords, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou des comportements qu'on ne peut pas avoir. À partir du moment où il y a de la souffrance, quel que soit, je dirais, le camp, elle doit être prise avec, elle doit être considérée avec tristesse et empathie. On ne peut pas se réjouir de la souffrance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. C'est vraiment, surtout quand des enfants sont, quel que soit d'ailleurs, je dis bien, d'où ils viennent, d'où ils soient. Un enfant qui souffre, c'est insupportable. Et là-dessus, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à apporter des corrections. Vous savez, et c'est vrai que c'est triste de voir des enfants qui sont pris en otage par des adultes qui les utilisent, les conditionnent pour une cause. Mais quelles que soient les communautés, hein, je dis bien, je ne vise pas une communauté en particulier, mais je dis quelles qu'en soient les communautés, l'endoctrinement d'un enfant, c'est une mauvaise éducation. L'enfant, il doit être éduqué libre. On doit lui réserver sa propre liberté. C'est difficile en tant que parent. C'est difficile de ne pas le conditionner. On est tous plus ou moins conditionnés par nos parents. Mais on doit tendre vers ça, tendre vers l'épanouissement de l'individu, son accomplissement, son épanouissement, et en quelque sorte lui permettre de se révéler à lui-même. Et c'est à lui de penser comme il a envie de penser ensuite, de réfléchir comme il a envie de réfléchir, de s'engager comme il a envie de s'engager. Voilà. Donc je vois bien qu'il y a du conditionnement, je vois bien qu'il y a une emprise. Les adultes opèrent sur les enfants une emprise qui a mené à des catastrophes. Surtout les idéologies, les religions, c'est toujours ça qui est délicat. C'est de forcer l'enfant à devenir un singe savant et à répéter nos propres convictions, qui sont que des convictions, parce que personne ne détient la vérité. Qui peut prétendre d'être... C'est ça qui me stupéfait. Qui peut prétendre détenir la vérité, tout savoir sur tout, sur tous les plans, sur tous les scénarios? Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez... Personne ne sait. Il faudrait être introduit, il faudrait être initié, il faudrait avoir des contacts, mais vraiment avec... Je dirais avec ces instances, c'est peut-être qu'on serait étonné, peut-être qu'on serait surpris, parce qu'on projette nos propres fantasmes parfois. Et parfois, il n'y a finalement pas ce qu'on imagine derrière ça. Vous savez, quand j'étais patron, c'est là où je me suis aperçu que les employés, les salariés, parfois, font beaucoup de projections. Parce que j'ai été patron pendant une période de ma vie, et j'avais des employés. Et je savais... ce qu'ils pensaient de moi, ce qu'ils disaient de moi, j'avais des retours, et à chaque fois je me disais, mais c'est pas vrai, c'est du pur fantasme.
ils avaient des fantasmes, ils avaient des illusions, ils projetaient sur le patron que j'étais des choses totalement fausses. Par exemple, je me faisais un salaire parfois même inférieur à certains de mes employés. Et ça, j'allais pas le chanter sur le toit, parce que il y avait des difficultés parfois, des passages difficiles quand il fallait payer l'URSSAF, tout ça. Donc je m'accordais un salaire parfois inférieur même à une responsable de magasin. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas une grosse retraite, parce que j'ai développé mon affaire avec les moyens du bord. On n'avait pas beaucoup de moyens d'autofinancer. Donc on avait les aides, les banques n'aidaient pas. Donc on se serrait la ceinture en tant que dirigeant. Je faisais attention. Et les gens pensaient que j'étais riche. Mais c'est faux. Oui, on avait une voiture. On avait une voiture de fonction parce qu'on était obligé de se déplacer pour voir les clients. Mais ça faisait partie des charges. Mais je me souviens les fantasmes qu'il y avait, parce que et ce que les gens projettent sur vous, ils s'imaginent des tas de choses. En réalité, tout était faux. Tout ce qu'ils projetaient était faux. Ils faisaient une projection de leur fantasme. Parce que pour eux, le patron, c'est quelqu'un qui est riche et qui exploite le salarié. Ils ont été conditionnés dans la société par des catégories idéologiques de cet ordre-là. Et ils n'arrivent pas à intégrer le fait que, n'ayant été jamais eux-mêmes patrons et n'ayant jamais créé leur entreprise, que moi j'ai créé à partir de rien, J'ai fait un plan social, je suis parti avec un petit peu d'argent, et puis j'ai fait beaucoup d'emprunts. Donc, c'est-à-dire, plein d'autres personnes n'auraient pu le faire à l'époque. Quand on était licencié, on avait une petite aide pour ouvrir une petite boutique, et c'est de fil en aiguille que j'en ai ouvert une deuxième, une troisième, mais c'était pas pour ça que j'étais riche, parce que c'est dur, parce que les conditions sont dures. Il faut pas croire qu'on s'enrichit comme ça. Enfin, tellement, vous savez, les salariés sont toujours ignorants de toute façon de la position du patron. Bon. C'est pas que je défende les patrons, il y a des bons, des mauvais patrons. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai compris qu'il y avait les salariés fantasmes sur les patrons. Ils imaginent des choses, alors que eux-mêmes ne l'ont pas fait, sont pas passés par là. Il faut passer par ces expériences pour savoir comment ça se passe. Quand vous avez les loyers à payer, l'URSSAF, la TVA, les charges, toujours les nouvelles charges qui arrivaient, la taxe d'apprentissage, la formation, tout ça. Mais je disais, mais c'est fou. C'est fou, si vous augmentez trop vos prix, vous n'avez plus de clients. Donc on est pris dans un étau des fois. Mais bref, je ne veux pas insister là-dessus. Mais c'est pour dire, on fantasme énormément, on projette énormément. Sur moi, les gens projettent. Avec votre vidéo, croyez tout le monde, tous les youtubeurs sont victimes d'une projection. Parce que les gens ne voient qu'une partie de vous-même. Et ils projettent. Ils projettent, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Ils projettent la projection. Est quelque chose d'absolument évident chez l'être humain. À partir du moment où vous avez une image, vous faites une projection. Dans les religions, vous projetez. Et on projette toujours quelque chose sur la personne. Quand vous lisez un roman, vous allez projeter. Quand vous lisez, vous allez le lire d'une certaine manière et l'autre personne va faire sa propre projection. Quand on voit un film, on s'aperçoit, quand on interroge des gens, qui n'ont pas vu le même film. Et que chacun a fait sa propre projection. Nous sommes des gens qui nous projetons. Et dans cette projection, en réalité, nous sommes victimes de notre propre illusion, si vous voulez. C'est nous qui fabriquons de l'illusion. On fabrique du mensonge aussi. Quand je dis du mensonge, c'est par rapport à la réalité. Parce que le fait de projeter, c'est humain de projeter. Je ne dis pas le contraire, c'est humain. Nous projetons sur les hommes politiques, nous projetons sur les dirigeants, nous projetons sur le pouvoir. Nous projetons sur un acteur, un artiste, etc. Nous faisons sans arrêt des projections. L'amour, c'est une projection aussi. Nous projetons sur la personne que nous aimons quelque chose parfois d'illusoire. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, parce que je dirais que l'amour, tomber amoureux, c'est la projection suprême. C'est-à-dire que vous faites une projection d'un sentiment. Vous faites une projection même sur la personne que vous aimez. Et vous parfois l'idéalisez, elle n'est pas ce que vous pensez, mais vous faites, votre projection est tellement forte que votre amour finit un jour par aboutir à une déception.
La déception vient toujours d'une projection que vous avez faite et qui ne correspond pas à la réalité. C'est très dur de se restreindre à ce niveau-là. C'est très dur de se maîtriser, de maîtriser sa projection, de remettre en cause sa propre projection. Et nous projetons, et je pense que tout le monde, dans les conflits qu'on voit actuellement, dont on parle, par exemple les Palestiniens, les Israéliens font une projection sur les Palestiniens, et les Palestiniens font une projection sur les Israéliens. Et ils font des projections collectives, et ils sont enfermés dans leurs projections. Donc ils ne sont pas capables de s'entendre, tout au moins ils ne pourront jamais s'entendre, tant qu'ils sont prisonniers de leurs projections. Nous-mêmes, nous faisons des projections. Moi-même, je fais. Et c'est vrai que c'est pour ça que nos jugements sont toujours par rapport à ce que nous projetons, nous, ce que nous sommes, nous. Et c'est pour ça que je dis, nous ne détenons pas de vérité. Il faut l'accepter. Et tant que vous n'acceptez pas ça, alors vous allez toujours vers celui qui pense comme vous. Vous allez chercher la communauté de celui qui pense et qui ressent comme vous. Parce que vous n'acceptez pas cette différence d'interprétation. Et c'est comme ça que les communautés se forment. En fait, ce sont des communautés de pensée, ou des familles de pensée, ou des familles idéologiques, où les gens, par confort, ont envie de se retrouver qu'avec des gens qui pensent, ou qui font la même type de projection. En gros, nous avons des familles de projection. C'est-à-dire que collectivement, nous avons des projections collectives, et nous nous retrouvons entre familles, je dirais, qui partagent la même projection. Mais nos projections sont des projections, même collectives. Et donc, nous ne sommes pas, absolument pas détenteurs de la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Et les guerres viennent de là. Les guerres viennent, et les confrontations et les conflits viennent de là. Ils viennent de projections différentes. Il y a l'ouvrier. Par exemple, la guerre entre un patron et un salarié, c'est que le salarié va faire une projection sur son patron. Et le patron va faire une projection sur son salarié. Alors oui, il travaille pas. Il va pas comprendre que le salarié, peut-être qu'il est dans une phase difficile. Et que c'est peut-être normal qu'il travaille pas. Il est peut-être fatigué à cause d'un problème personnel. Ou il y a peut-être une raison objective qu'il ne travaille pas bien ou qu'il ait un problème. Parce que c'est peut-être dû à justement une mauvaise écoute de son problème. Ça peut être aussi à l'origine d'un conflit, et le salarié peut faire une projection fausse sur son patron en disant « il m'exploite, il s'enrichit sur moi » et tout ça. J'ai entendu ça 10 000 fois. Et en gros, les deux sont dans une projection. C'est le conflit, on arrive au conflit, et les deux repartiront avec leur conviction de projection et ils penseront qu'ils seront dans la vérité. Et il y en a un qui, et après, la projection conduit à la victimisation, fatalement. Souvent, nos projections nous persuadent de notre propre état de victime. Mais là aussi, ce sont des projections dans lesquelles nous sommes. Et c'est donc une forme de nous nous enfermons dans notre projection, et des fois, nous croyons tellement à notre projection que nous finissons par adhérer à être comme cette projection. Si tu te projettes comme victime, tu vas devenir une victime et tu vas finalement fabriquer ton bourreau. Tu vas le construire et tu vas même le renforcer. C'est intéressant de réfléchir à propos de ces questions-là, parce que personne ne détient de vérité, personne. Et tant que nous sommes cambrés dans nos catégories, tant que nous sommes, comment dire, persuadé de détenir la vérité, fatalement nous vivrons dans la guerre perpétuelle, parce que nous aurons toujours en face de nous quelqu'un d'autre que nous qui sera aussi convaincu de ses idées, qui ne sont pas les nôtres, et nous rentrerons en conflit. C'est comme ça que naissent les conflits, c'est comme ça que naissent les dans un couple, c'est ça. Il y a des gens qui se sont énormément aimés, mais se sont aimés à travers des projections qui se faisaient de l'un et de l'autre. Parce qu'ils n'avaient pas assimilé la vraie nature de la personne dont ils étaient amoureux. Et ça fait ni mal, c'est normal. Puisque vous finissez dans l'intimité par découvrir la vraie personne. Et vous dites, mais finalement, c'était pas ça, c'était pas ce que je voyais de lui. J'avais fait une projection sur lui. Mais l'autre peut aussi vous tromper. Et vous encourager, par exemple un youtubeur, il peut vous tromper, vous faire croire qu'il est très riche, ou vous faire croire qu'il a des tas de connaissances et tout ça. Et c'est lui qui va susciter chez vous une projection. Donc vous avez des manipulateurs ou des pervers qui vont
fabriqué cette projection. Ils savent que psychologiquement, c'est un système qui fonctionne chez l'autre. Et donc, vous avez des gens qui vous manipulent. La personne qui vous manipule, c'est quelqu'un qui va opérer chez vous, qui va susciter chez vous volontairement une projection et qui va vous conduire fatalement à une erreur. J'espère que je me fais comprendre. Mais vous voyez, tout en déroulant mon raisonnement, il y a aussi... si vous voulez, des manipulateurs qui sont facteurs de nos projections également. Par exemple, vous pouvez tomber quelqu'un qui vous séduit. La personne qui va vous séduire, elle va vous montrer que le meilleur d'elle-même. Elle va même surjouer le meilleur d'elle-même. Elle va donc vous induire à vous tromper, à faire une erreur. Mais elle va actionner votre facteur de projection, le facteur en vous qui s'appelle la projection. Donc en réalité, la personne va vous tromper, ou un bon vendeur peut vous tromper, c'est-à-dire qu'il va jouer sur des paramètres, c'est reconnu, c'est étudié, dans lequel vous allez être piégé parce que vous allez projeter quelque chose qui va susciter en vous. Et donc c'est pour ça que il est difficile d'échapper à cela, très difficile. Et notamment actuellement dans le conflit dont on a déjà parlé, dont on reparlera, qui est entre les musulmans et l'Occident, parce que nous arrivons à un conflit de cette nature-là, qu'on le veuille ou pas, eh bien chacun va camper dans ses projections et nous risquons d'aller vers un conflit ethnique ou un conflit religieux, les deux à la fois, je dirais, qui pourrait aboutir à une guerre civile. Cette guerre civile, elle est possible. Et c'est parce qu'il va y avoir une montée d'une haine collective irrationnelle qui va nous conduire justement à nous opposer. Alors, moi je ne fais que... Je suis témoin de certaines choses objectivement. J'ai des chiffres, j'ai des éléments objectifs pour déduire qu'il y a un problème actuellement avec l'islam. Je le dis sans faire une projection. Je ne connais pas bien l'islam, je ne vis pas avec des gens qui sont musulmans et tout ça, mais ce que je vois, ce que je constate, je l'ai constaté dans mon travail, et je l'ai constaté autour de moi. Et ces constats que je fais, je les associe à une ethnie et à une religion, les deux à la fois, et je ne suis pas le seul à le faire. De là, vous finissez par avoir un a priori systématiquement négatif, puisque vous dites, puisque j'ai constaté ça, ça et ça chez plusieurs personnes, j'englobe tout le monde, ce qui est certainement une erreur. Mais c'est la tendance qu'on a, c'est à englober tout le monde dans une forme de parti pris, dans lequel vous êtes vous-même peut-être victime aussi, parce que vous avez dans votre environnement, une succession d'expériences qui vous conduisent à faire tel constat. Et puis, idem pour les autres, idem pour ceux qui sont, je dirais, dans l'autre camp et qui pensent que effectivement, ils sont victimes de discrimination, de contrôle abusif par la police, etc. Et qu'ils se disent, mais on est discriminé, on n'est pas accepté, on n'est pas intégré, et tout ça. Et ils s'installent aussi, eux, dans une forme de parti pris, je dirais. Et c'est là que c'est compliqué, parce que on progressivement, chacun se persuade d'avoir pour lui la vérité, et ça ne peut conduire qu'au conflit. Comment on peut désamorcer ça? Ben, je pense que le mieux pour désamorcer ça, c'est de prendre du large. Prendre du large, les uns et les autres, et d'essayer de retrouver un équilibre et de ne pas insister, si vous voulez, de ne pas insister à vouloir absolument se mêler, je dirais, se mêler et vivre ensemble. Ce fameux vivre ensemble, vous savez, dont on ricane et dont on plaisante, il a deux conséquences. Il oblige, en fonction d'une fameuse morale idéologique de gauche, ils obligent les gens différents à cohabiter, mais à partir du moment où un gros souci, un gros malaise s'installe, la cohabitation n'est plus possible.
Et donc le mieux, c'est d'accepter de se séparer. De se dire, bah oui, pour l'instant, on ne peut plus vivre ensemble. C'est comme dans un couple. Il faut accepter à un moment donné de se séparer. Et c'est beaucoup mieux, et ça se passe beaucoup mieux. Je pense que les musulmans devraient vivre dans des pays musulmans où ils pratiquent sereinement leur religion. Ils ont le choix, il y a des pays pour ça. Ils ont des pays où ils peuvent très bien s'organiser entre eux et se développer entre eux en fonction de leur conviction religieuse. Et puis ils feront l'expérience collective de leur propre religion. Et peut-être qu'ils découvriront ainsi que finalement, s'ils se retrouvent entre eux et qu'ils font du business entre eux, ils découvriront qu'ils ne sont pas aussi parfaits qu'ils pensent, découvriront qu'ils ont des travers, qu'ils ont des tendances, que leur religion a des aspects parfois peut-être hypocrites, qu'il y a peut-être une hypocrisie, que finalement les croyances et les principes qu'ils ont, ils sont peut-être pas aussi respectés que cela par leurs élites, par ceux qui les mènent parfois à combattre contre un Occident entre guillemets décadent. Donc c'est à eux de faire leur expérience. Et nous occidentaux, on a aussi à revoir notre logiciel, c'est-à-dire qu'on doit savoir vers où on va. Est-ce qu'on va vers une société matérialiste, désincarnée, virtuelle, en abandonnant toute verticalité, toute spiritualité? Est-ce que c'est ça le chemin pour nous occidentaux, de tomber dans une forme de matérialisme, le transhumanisme et tout ça? Est-ce que nous ne faisons pas erreur? À nous, entre nous, je dirais, de poser cette question et de savoir ce que nous voulons. Il y a peut-être moyen aussi de trouver chez nous une forme d'équilibre, parce que nous sommes dans une fuite en avant, dans la matière, qui est très dangereuse. Mais nous sommes, les musulmans, je dirais, sont dans une fuite en avant, et nous, occidentaux, nous sommes également dans une fuite en avant. Mais c'est à nous de régler nos problèmes. Et si nous nous opposons, nous allons être obligés de défendre peut-être des systèmes que nous ne voulons pas tant défendre que cela. Et il peut y avoir des alliances parfois même dans la combativité contre nature. Quand vous voyez que le wokisme est associé à l'islam, vous êtes mort de rire. Quand vous savez que dans le wokisme, le transgenre, tout ce qu'on entend dans le wokisme, les idées progressistes sont bien plus en confrontation avec la religion musulmane qu'avec même la religion catholique qui critique à fond. Mais le catholicisme, je dirais, surtout avec le pape actuel, est plus proche du wokisme que la religion musulmane. Maintenant, les gens d'extrême gauche qui sont pour le wokisme s'associent avec le mouvement radical islamique, ce qui est complètement fou, c'est contre nature. Donc ils vont finir dans une impasse, c'est obligé. D'une certaine manière, nous qui sommes chrétiens, un peu traditionnels, nous sommes plus proches des musulmans, d'un point de vue éthique, que ces gens-là, puisque nous sommes pour respecter une certaine forme de tradition et de vie correcte, et nous ne voulons pas embrasser le côté décadent de l'Occident. Donc vous voyez bien que, et c'est nous qui nous opposons le plus, ce qui est complètement fou. Mais tout cela, ce sont des... Nous sommes pris dans des pièges, et ces pièges s'appellent, oui, ça s'appelle manipulation, ça s'appelle projection, ça s'appelle aussi conditionnement. Et c'est très dangereux. Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile. Difficile parce que les confusions, il y a énormément de confusions, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont réfugiés dans des principes illusoires qui les mènent à avoir des théories tout à fait fantaisistes. Et après, on peut tout inventer, la Terre est plate, et ceci, et cela, parce que ça va loin, des fois, les théories fantaisistes comme ça. Il y a des trucs qui tiennent plus la route au bout d'un moment, quand on entend les gens. Ils sont dans l'irrationalité totale. Et ils sont dans un truc complètement fantaisiste, farfelu, et ça se voit. Ils deviennent dingues, quoi. C'est compliqué de garder le cap, c'est compliqué de garder sa sérénité, c'est compliqué d'accepter, si vous voulez, cette rupture dans laquelle nous allons
rentrer, parce que nous allons vers cette rupture que nous ne voulions pas, mais de l'accepter d'une manière pacifique, de ne pas, la provoquer d'une manière, je dirais, belliqueuse, si vous voulez. Il faut accepter simplement de ne plus vivre ensemble. C'est ça la solution. C'est pas parce que nous n'allons plus vivre ensemble que nous allons nous détester, au contraire, ça va nous éviter un drame. Il faut accepter de faire sécession. Chacun s'occupera de son mode de vie, vivra en fonction de ses codes, et c'est légitime. Si celui qui a des principes religieux retrouve sa communauté, vive dans un pays avec les mêmes codes, les mêmes lois, et là vous tombez dans une forme de conquérance, de cohérence. Mais vouloir conquérir des gens qui ne pensent pas comme vous, ça vous mène à la guerre, parce que les autres, il n'y a aucune raison qu'on m'impose la loi islamique, par exemple. Mais si vous aimez la loi islamique, vous voulez vivre selon cette loi, allez la vivre dans le pays ou dans la région où vous pouvez le faire collectivement. Et nous avons aussi nos propres codes à défendre aussi, mais qui ne sont pas les mêmes. Et voilà, c'est quand même... Mais vouloir, si l'un veut obliger l'autre à épouser son système, ça peut conduire qu'à la guerre, et jusqu'à la mort. Et quand on voit certains qui sont non seulement dans une conquête belliqueuse, mais ils en arrivent à commettre des atrocités, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien, on s'aperçoit que c'est une folie, c'est une folie collective. Qui ne peut déboucher que sur des drames absolus, toujours des drames et des drames. Il faut sortir de là, mais pour ça, il faut accepter nos différences et vivre en fonction de nos propres codes, et ne pas vouloir imposer notre code. L'Occident a voulu imposer ses valeurs morales, comme on dit, entre guillemets, et sa manière, sa manière de voir le monde d'une manière universelle. L'Occident a voulu, à cause de la science et de cette arrogance que lui a donnée cette science, c'est-à-dire une forme de maîtrise de la matière, il a voulu diriger les autres peuples en disant « c'est nous qui détenons la vérité, nous on va vous imposer notre système démocratique et tout ça », qui est en réalité souvent des fausses démocraties aussi. L'Occident a péché par arrogance, et l'Occident a péché aussi en voulant se considérer comme détenteur de la vérité absolue parce qu'il était... dans la science, dans cette espèce de science, de connaissance scientifique, qui est une façon de connaître le monde, mais ce n'est qu'une façon. Vous avez des peuples plus religieux, des peuples plus qui s'inscrivent dans une démarche plus verticale, et qui n'ont pas envie d'épouser ce système-là. Bon, c'est là qu'on voit où l'impasse est là. L'impasse est là. On ne peut pas vivre vivre ensemble dans ces conditions-là. Et il est bon et sage de chercher justement une manière de vivre sans confrontation. Bonjour. Merci, vous aussi. Donc, voilà un peu la nature de mon propos. On va avancer petit à petit, on peut avancer, je crois, vers une forme de compréhension sans forcément se disputer, je dirais. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un vive suivant sa coutume, son principe. Ça ne me dérange pas. La seule chose que je refuse, c'est qu'on me l'impose. C'est tout simple. Par exemple, si je vis dans un lotissement et que quelqu'un, vous avez des gens, ils vivent la nuit, ils font du bruit, tout ça, ce sont leur manière de vivre. Ils font de la musique, ils sont bruyants. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas ce type de vie. La nuit, je dors et je n'aime pas la musique forte autour de moi. Donc, je vais fatalement aller dans un secteur ou dans un lotissement, comme ça se passe aux États-Unis, où on se retrouvera avec le même mode de vie. Parce qu'on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes principes. Et on n'apprécie pas forcément la même musique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la culture. Et on ne peut pas vivre mélangé, dans des cultures mélangées. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on est obligé de systématiquement faire scission et que chacun se retrouve
dans son propre environnement. C'est logique. Et ça ne devrait pas nous mener à la confrontation. À partir du moment où un autre veut imposer sa manière de voir, c'est là qu'on commence le conflit. Et quand le conflit te mène à tuer, à assassiner, à torturer et des enfants, et là, vous tombez dans l'horreur. Vous tombez dans l'horreur absolue. Et là, vous tombez dans... C'est l'enfer. C'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent. Et c'est terrifiant. Et on a aucun droit de justifier, même de trouver ça normal. Parce que c'est le signe, le symbole que nous serons tous engloutis là-dedans, que nous n'échapperons nous pas, nous-mêmes nous n'échapperons pas à cet enfer-là, si nous le cautionnons. Donc quoi qu'il en soit, on n'a pas à cautionner ce genre de choses. D'où qu'ils viennent, le coup, on n'a pas à cautionner. Voilà. Bien, je vais vous laisser, les amis, je vous souhaite une bonne journée, parce que vous verrez certainement cette vidéo, puis là, il commence à faire un peu sombre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.